Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus? Bienvenue sur Dragon Age Origins pour la suite des aventures. Et oui, nous sommes directement en jeu car je fais ça à l'arrache, à la volée, à la suite. Car j'ai envie d'avancer, j'ai envie de savoir où est-ce que tout ça va nous mener. Donc c'est reparti directement. Pas de blabla, pas de transition, on avance. Et il faut qu'on aille donc au donjon. J'espère qu'il n'y aura pas les 50 ennemis de tout à l'heure. Oh là, ah bah, oh d'accord. Warden, in the name of the Regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men-at-arms. Surrender, and you may be shown mercy. Ah, c'est carrément en anglais là, d'un seul coup, ça passe en anglais. Pourquoi pas? We stand down. You don't know the war story, vous ne connaissez pas l'histoire en entier. Pas toute l'histoire. I'm here to free Honora. Ouais, ça, je suis là pour sauver Honora. Don't be ridiculous. The queen isn't being held prisoner here or anywhere else. Her father would never stand for such a thing. Pourquoi c'est en anglais là, c'est le coup là, le jeu. Et je prends le jeu à la suite, hein, donc c'est en français et là c'est en anglais. Bon. Dites-le Honora, you know that for certain. Fine, believe whatever you want, right now. What? Sir Cathrian? Praise the Maker, you're here. This brigand tried to kidnap me. Ce brigand essaie. Attends. T'es sérieux là? T'es sérieuse? T'es en train de me balancer, quoi? Ah ouais! You double-crossing bitch! What? Plutôt what? Bring them down. Loghain wants the warden dead or alive. Attack! Mais c'est une salope. Elle s'est barrée, d'accord. Elle s'est barrée comme ça là. Putain, mais non mais je peux pas attaquer, ils sont trop nombreux, non mais c'est n'importe quoi, non, on va recharger. On va recharger la partie, monsieur, parce que là c'était n'importe quoi. Charger une partie. Ça commence bien l'épisode, tiens. Ah non, mais on peut pas attaquer, ils sont beaucoup trop nombreux. Merde, oui, c'est là. Oh. Non, c'est pas ici. Ah, ne mourrez pas. Voilà. Je vous remercie. Amusant, vraiment. Nous devons nous hâter et éviter de nous faire remarquer. Si les nervis de Howe me découvrent... Ouais, tais-toi. Alors tais-toi d'autant plus que maintenant je sais la vérité sur toi. Non, c'est pas grave. Hop là. Putain, la salope, n'empêche, elle nous a carrément balancé, quoi. Il n'y avait pas un garde... en jaune? Non. Ok, c'est pas grave. Oula, Wink, on a déjà pris plein la gueule. Ah, le v'là, le chef, je crois. Ouais, le v'là. Oh putain, mais Wynn, arrête de te faire défoncer la gueule à chaque fois comme ça. T'es sérieuse? Non mais j'en reviens toujours pas là qu'elle nous ait trahi comme ça l'autre là, sans problème quoi. Oh, il est mort, ton excuse. Il y a du combat encore, dès le début de l'épisode là. Pour toi, c'est pas chier. Vous avez combattu tel que je l'imaginais. Oh, j'ai perdu l'habitude de ces jeux guerriers. Ouais, un petit peu perdu l'habitude en effet.
Ouais, mais là, Anora, du coup, j'ai plus envie l'aider, moi, parce que, enfin, bah oui, hein, quand on sait ce qu'on sait, forcément, après, on n'a plus envie hein, d'être sympa. Arrête de courir dans le mur, s'il te plaît, toi. Voilà, mettez-vous bien ici. Voilà. On va sauvegarder ici, mais on va faire une nouvelle sauvegarde au cas où. Alors, attendez. Je suis où? Donc, je suis ici. Ok, donc voilà. Donc, faut que j'aille derrière moi. Mais c'est là, oui, donc où il y a toute la garde. Hein. On va essayer de voir ce qui se passe, si on peut faire d'autres choix. Bonjour, Sir Commander. Enfin, non, c'est pas grave, non, mais. Bonjour. Ça va en anglais encore? Warden, in the name of the Regent, I am placing you. Surrender, and you may be shown mercy. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. No need for that. This woman is not so dangerous. But we've come so far. Why surrender now? We've been through worse scrapes than this. You don't need to turn yourself in. Are you sure this is what you wish? Killing them is just a reinforcement of the gain, hein? Ouais, c'est ça. Ils sont trop nombreux, on ne pourra pas les tuer, de toute façon, donc. I'm surprised this ended peacefully. Bring the warden. Loghain doesn't care about the rest. Ah, je sais pas si j'ai fait le bon choix pour le coup, mais là, de toute façon, la tag était quasiment impossible, je pense, donc. Imon, nous avons un problème. Ah. Quelle perspicacité impressionnante. Je me disais aussi que tout se passait trop bien. Puissant Drasté, protégez nos amis du danger. Ne perdons pas de temps en discussions futiles. Nous devons élaborer un plan. Calmez-vous. Que s'est-il passé exactement? Le garde des ombres a été capturé. Comment pareille chose a-t-elle pu se produire? Peu importe. Désormais, notre priorité est de le sauver. Il doit être enfermé à Fort Drakkan à l'heure qu'il est. Le libérer ne sera pas une mince affaire. Votre langue est fascinante. Les Kunari seraient bien incapables de parler pour ne rien dire comme vous le faites. Ah, ça, le gars. Sacré Sten, toujours aussi drôle. Donc, je suis en prison. Super. Je suis emprisonné. Wow. Aïe, aïe. Bienvenue. Ma poêle. Vous avez l'air d'avoir vu la sainte mère de l'ami. C'est quoi votre crime? J'ai tué Hao. C'est une longue histoire. J'ai tué Hao. Et c'est un crime? C'est une médaille que vous méritez, pas la potence. Merci. Mes amis vont me venir me sauver, attendant de l'aide. Je vais sortir d'ici, tenter de s'échapper. Mais oui, bon courage. Si ça se trouve, le créateur va venir pousser la chansonnette tant qu'on y est. Sten réprouve. Bah oui, bah écoute. Oh putain. De toute façon, je vois pas comment je vais pouvoir sortir de là, mais bon. Non, non, honnêtement, bah oui, non, mais là, c'est n'importe quoi, quoi. Pourquoi j'ai fait ça, il n'y a aucun moyen de sortir, de toute façon. Vous apercevez un garde. Appelez le garde. Fin dans la maladie. Tout à fait. Hé, venez vite! Il va y passer! Qu'est-ce qui vous arrive? Sautez sur le garde. Tout à fait. Ah! Oui, je suis sauvé. Oui, bon. Ah, on peut jouer au plus malin, c'est ça? Ah oh. Poum! Wow, les mandales! La clé des cellules, tout prendre. Ah oui, donc du coup, mon inventaire, bah forcément, j'ai plus rien. Hein. Ah oui, je suis à poil. Mais bon, j'ai la clé des cellules, c'est le principal. Hop. Je vais te prendre avec moi, car tu vas m'être utile.
Hop là. Merci, mon ami. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais autant ne pas m'éterniser. Ah ouais, d'accord. Je te sauve, mais... Ok, tu casses comme un enfoiré. Ok. L'aventure à poil. L'aventure à poil, tranquille. À moins qu'il y ait mes affaires dans ce coffre. Ah bah voilà. C'était un peu... C'était logique, hein. C'était un petit peu évident. Alors, attendez, la porte métallique. Qu'est-ce qui se passe derrière la porte métallique? Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Ok, bah c'est une cellule quoi. Ok, super. Ok, donc par là il n'y a rien. Par là, bah c'est. Non, c'est pas tout. Ah oui, d'accord, il y avait des ennemis. Qu'y a-t-il par en bas? Quelqu'un qui se. Je peux pas le sauver lui. Non, bon. Je peux sauver personne, tout le monde est mort. Il n'y a rien à prendre. Tout se passe. Alors du coup on va faire une nouvelle sauvegarde, une troisième sauvegarde pour le coup. Je suis au fort Drakan. Ouais ouais. Bah écoutez. L'aventure. Ils sont trois. C'est parti. Vous êtes qui? Hop, désolé. Je me retourne, voilà, ok, donc on va tuer le chien d'abord. Information ! Attendez, hop. On a fait du bruit, hein, les gardes. C'est compris. Ouf, il l'a bien achevé. Allez, dors. Non, même pas. Parfait. La décapitation en bonne et due forme. Ouais, bouclier de merde. Ça, je le prends par contre, absolument. Ouais, du coup, là, ça m'a tout fait découvrir. Donc, du coup, je vais tout regarder rapidement. Histoire de dire que ça ne me perturbe pas pour la suite. Comme ça, vous savez que j'aime savoir ce que je reçois comme objet. Et des fois, je ne le sais pas. Et là, ça me perturbe du coup, vu que tout est en jaune. Donc, on fait ça comme ça. Hop, voilà. J'ai plus qu'une place dans mon truc. Hein. Pardon. Je suis malade. Complètement malade. Bref. Il n'y a rien. Il n'y a rien à part une porte. Oula. Une salle d'armes. Qu'est-ce que. Ok. Ah, quoi qu'attendez. Ah oui, non. Arme de merde. Oula. Vous trouvez un uniforme de garde. Enfilez l'uniforme. Ah bah oui. C'est clair. Ça pourrait m'être utile. Et ça, on s'en fout. Ah, faut tout fouiller, hein. Franchement, voilà. Il faut vraiment toujours tout fouiller dans ces jeux, hein. On le sait. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Bonjour. À peine à moi que je l'ai. Cette armure me sert déjà. Il va falloir que je mette le frein sur la Bectan. C'est compris. Pardon. Quel est le mot de passe? Mot de passe 1. Sésame pour toi. Feuille de rose. C'est soit très floral, soit très pervers comme mot de passe. Vous ne trouvez pas? Maudite bleusaille. Dans mot de passe, il y a passé. Pas de mot de passe, pas passé. Bah, on passe quand même au final. Quel est le mot de passe? Là, vous racontez des âneries. Maudite bleusaille. Ok. Quel est le mot de passe? Mot de passe 1.
Vous avez oublié ou vous êtes juste benêt? Maudite bleusaille. Dans mot de passe. Ok, d'accord. En fait, je suis obligé de. Ok. Quel est le mot de passe? On va tout faire. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah, on va te faire foutre. Hein. Quel est le mot de passe? Ouais, ta gueule. Attaquez. Oui, non, mais au bout d'un moment. Prisonnier en fuite! Au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Prisonnier en fuite! Tais-toi! Arrête de gueuler, s'il te plaît. Il y a une décapitation en plus. Décidément, comme il ne décapite beaucoup en ce moment. C'est compris. Ouh, c'était beau ça. Ah merde, des arches derrière. Le mec dit. L'homme nous mourra. Il ne mourra que moi. Bon, ouais, c'est un épisode qui commence assez violemment. Encore une décapitation. Non, je vous dis quoi, mais il est énervé là. Il décapite tout le monde. Oui, je vais juste voir un petit peu quelque chose. Ah oui, donc je suis revenu avec mon. Ouais. Ok. Les pauvres décapités. Par les saintes reliques. Dic d'Andraste. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé hey, un prisonnier s'échappe! Mais non. C'est un beau jour pour mourir! Comment ils peuvent savoir que je suis un prisonnier? T'avais pas la moindre chance. Attendez, parce que là, c'est pas que je fuis, hein, non, c'est juste que j'aime pas me battre dans les escaliers comme ça, c'est assez chiant. Voilà. C'est compris. Laissez-moi un peu respirer, d'accord. Alors, on s'en tire déjà. J'aime ce côté désespéré. Incroyable. Mieux vaut tard que jamais. Oui, désolé, je ne parle pas beaucoup, je me concentre un petit peu. Hein. Il y a quand même pas mal de combats à faire là. Donc, je me concentre un tout petit peu, un minimum. Laissez-moi un peu respirer. Les mecs, quand même, ils oh putain, excellent. J'adore ces finishes. On l'assomme. Ça calmera un petit peu les choses. Voilà, il est mort. Eh ben, dis donc. C'est pas tout repos tout ça. Ouais. Après, je sais pas si j'ai bien fait dans le sens où en passant par là directement, bah, j'ai dû enlever mon déguisement. J'aurais peut-être pu le garder si j'étais passé par un autre endroit avant. Parce que vous voyez, là, je suis passé par ici. Si j'étais passé par là et tout ça, ça se trouve, j'aurais pas eu besoin de faire ça. D'ailleurs, ça me perturbe un petit peu là, c'est par ici, je vais faire demi-tour. Je sais pas si c'est par là, la suite de l'aventure ou pas, mais... Oh, bah voilà, bah, du coup, là, il y a plein d'ennemis partout, du coup. Bah oui, forcément. Bon, ça va, ils sont quand même pas non plus 50 000, hein, mais bon.
C'est quoi ça? Bureau du colonel. Armurerie des officiers. Ouh. Armurerie des officiers. Mieux vaut tard. Y'a qu'un garde, sérieux? Une évasion! Non, non. Alerte! Ne crie pas l'alerte. Il était tout seul. On n'a pas fait long feu, mon jeune ami. Encore! À qui le tour? À qui le tour? Hop! L'armurerie du colonel, il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est joli en tout cas, franchement, sympa là, classe là, le truc. On peut pas en choisir une là? Bon, en même temps, c'est de la merde, hein, mais. Ouais, c'est un peu de la merde. Quoique celle-là, elle est jolie, mais c'est de la merde quand même. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est magnifique, mais c'est totalement inutile. Là. Mais c'est magnifique, ça n'a rien à dire, encore une fois. Voilà, ici donc c'est le bureau de je sais pas quoi, donc là ils sont un peu plus nombreux, ils sont trois. Putain, ce cri. Fais-moi un peu respirer, d'accord. Une intrusion au fort, aux armes. Le colonel. On se peut pas prendre des petits. Hop, on va d'abord faire ça. Un petit soin. Bon, pas énorme, mais ça suffit. Voilà, un grand soin, car on a une difficulté. Voilà, c'est bon, le colonel est mort. Pouh, désolé, hein, je suis pas forcément là. Pas mal de combats, pas mal de choses là. Donc, je suis obligé de me concentrer un peu plus tout de même. Et puis je suis tout seul hein, donc. Là c'est bon, là je garde mon énergie, là on est bien contraint donc. Il n'y a pas de problème. Bon alors, le colonel, qu'est-ce que tu as sur toi? La clé de la porte de devant. Oula. La clé de la porte de devant du vestibule. Ok, super. Greatsword. Une arme à deux mains. Mais non, c'est pourri. Hop là, il y avait que ça chez toi, non? Un coffre qui va être fermé, je suppose. Mais forcément, Liana n'est pas là, donc. Ah putain, je suis sûr que ça peut être sympa ça. Ici, il va y avoir des documents et tout. Enfin, peut-être que je retourne avec Liana. Ok, là, y a rien. Il y a encore un coffre qui va être fermé, je suis. Enfin, non, ça marine, mais. Ok, c'est tard que jamais. Laissez-moi un peu respirer. On y go. Ils sont que deux. Un intrus! Allez! C'est marrant quand même, dans tous ces jeux, on retrouve toujours nos armures, nos armes et tout dans le coffre qui est juste à côté de la cellule. Bien joué, quoi. Non, mais. On ramasse en même temps. Ah, liste des mots de passe. Ah, bien, ça va, je lisse par contre. Je vais te tailler en pièces. Oui, bah tu vas rien faire du tout, tout est ok. Donc c'est bien la suite de l'aventure où j'allais là. Bon, je vous ai tué, voilà, mais. Du coup, j'aurais pu rester en tenue de soldat. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Si, oui. J'étais venu par ici avant, il y a une porte, mais elle ne sert à rien du tout. Bah, il n'y a plus rien. Ah, si, là, oula, oula. Oula, oula. Ok, ça, on s'en fout. Enfin, je m'en fous, allez, moi, en tout cas. Je suis pas sourd. Je sais pas ce que ça veut dire, ce que c'est, ça lui va le foutre, mais bon, ça, je m'en fous. La caisse en bois, mais je viens de la faire, je crois. Bah non. Oui, je perds la tête, je perds la tête. Il a perdu la tête depuis qu'il a. Mieux vaut tard que jamais. Bref. Voilà, bon, bref, on avance. Ça c'est fait. Oui. Ça c'est fait. Ça c'est fait ici. Hop, on peut retourner. Dans la grande pièce. Mais avant tout, nous allons bien sûr. Sauvegarder. Alors les mots de passe, bah tant pis les mots de passe, hein, tant pis. Tant pis, comme ça vous aurez du combat. Voilà. Mais oui, si j'étais passé par là, bah du coup j'aurais eu les mots de passe, ça m'aurait évité
de me remettre en tenue comme ça et j'aurais pu peut-être pourquoi pas passer inaperçu et ne faire aucun combat. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je m'y mets. Y'a pas mort d'homme. Mais si, quoi, y'a que ça des morts d'homme justement. La sœur Augustine. Et là, il y a deux portes. Bon, on va aller voir la sœur Augustine vu que c'est une pièce ouverte. C'est magnifique en tout cas à l'intérieur, franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Bonjour. Dame Andrasté, épouse de... Que le créateur... Et là, on est tous ensemble. Enfin, il manque juste... Qu'est-ce qu'Alistair fait là Le nous protège. Nous sommes attaqués. Mais non, reviens. Ah oui, si, d'accord, nous sommes attaqués, en effet. S'amuser. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout ce qu'Alistair fout ici. Ils sont nombreux quand même. Lapin Asinin qui a attaqué Lyanna. Oh papa, je t'ai vu toi. Touche pas à Lyanna. Allez, allez, un capitaine. On en finit. À l'attaque. Puis pendant qu'il est temps. Voyons de bon, c'est plaisir de revoir Lister en tout cas, mine de rien, plus le temps. Lister, il faudrait que tu aies une petite armure en T4, oui. Parce que. Le pauvre. Le futur roi, enfin, peut-être roi, on verra. Bon. Bien, c'était plus facile que prévu. Oula. Un instant, j'ai bien cru devoir enfiler cette robe. Enfin. Ravi de vous voir. Eh ben moi aussi, mon petit Alistair. Franchement. Ah, oh, vous voilà. J'en viens presque à regretter votre évasion. Notre plan de sauvetage était... redoutable. Enfin. Genre, tu te fous ma gueule, ma chérie. T'as pas honte? Ruin. Bien. Alors, voilà, les gardes, bien, mais... Lyriam, on s'en fout pas même. J'aime comme mon inventaire est plein alors que j'approche, alors que j'ai encore plein de choses à y faire. Bref, cette petite sauvegarde. Sauvegardons la partie ici au fort de l'Arcane. Alors pourquoi Alistair est avec moi, avec ma chérie, je ne sais pas du tout. Mais bon, 15 points à mettre, waouh. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Constitution. Hop là, 31. Non, 30. Hop, mais un petit point en dextérité, tiens. Un point pour lui, mais bon, il est déjà templier, donc on va le mettre champion. Hop là, champion en plus. Voilà. Un petit point à mettre ici encore. Bah écoutez, on va les mettre là. Peu importe. Hein. Oh non, on va les mettre. Larsin, si tu veux. Allez. Il y a 5 petits points à mettre. Alors, le champion. Qu'est-ce que le champion émet un rugissement terrifiant. Ouais. Dernier templier, quand même. Ouais, ça, c'est quand même assez. Ouais. Un point là. Un point là. Un point là. Un point là. Et un point là, tu es un champion. Et du coup, je vais le prendre un peu plus souvent, Lister, je pense. Enfin, je vais essayer en tout cas. Voilà, tu es un grand champion. Pardon. Niveau armure, parce que du coup, Lister, il est un peu pauvre, hein, le mec. Ah, quoique, c'est pas. Enfin, si, comme. Bref. En armure. Tu vas mettre ce casque. Ta-da-da-dam.
La transformation d'Alistair en direct live. Tu vas prendre tout ce qui est en Juggernaut. Et voilà, ça c'est du Alistair. Ça, c'est la meilleure armure que je puisse avoir. De toute façon, ça. Oula. Du coup, ça, on vire. Hop. On vire. Et on m'a dit, c'est vrai qu'en deuxième armure, oui, c'était Black Kang qui m'a donné ce conseil. Ouais, c'est de. Ouais. L'écu du vrai roi, eh ben écoute. Volonté, défense, attaque 1, 3, 2. Volonté 3, ce sont. Ouais, non. Plutôt, c'est plus l'écu du vrai roi. Voilà. Et en épée, mon cher ami. Oui, donc. Comment il s'appelle Black Kang m'a donné une astuce, c'est vrai. Et puis, il a raison au final. Parce que si je mets ça. On va tester quelque chose, on va juste tester quelque chose. Non, ça marche pas. Il n'était pas pour Akira. Non. Ben non, Blarkane, non, c'est peut-être pas pour aux épées ou je sais pas. Ouais. Peut-être pas pour aux armes. Oui, c'est pas pour aux armes, c'est pas pour aux armures, je pense. Bref, main directrice 8.40 la tienne, mais avec en plus des effets, oui, quelques effets. Et voilà, mon petit gars, tu vas. Ah non, c'est une main deux mains, ça, non, c'est pas bon. Voilà, tu vas prendre ça quand même, mon petit Alistair, tu vas prendre cette petite hache. Voilà, bon. C'est déjà mieux, honnêtement, là, ça fait quand même plaisir de voir Alistair retrouver un petit peu de. Enfin, même pas un petit peu, carrément la classe, regardez-moi ça, ce Alistair. Aïe, 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 aïe. Du coup, on le reconnaît plus, hein, voilà, on se dit, ah, mais c'est qui lui? C'est qui? Eh ben, c'est mon Alistair, regardez-moi ça. Nous sommes beaux, tous les deux, comme ça. Bref. Oui. Bon, on va se regarder. Et on va se laisser là. Eh oui. Je vais vous laisser là. Sur cette belle image de Alistair. Et de quoi, Moïgus. Et de Lilena, ma chérie. Tout va bien, mon meilleur ami. Ma chérie. Tout le monde est là. Tout se passe pour le mieux. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et nous allons avancer, bien sûr, à la suite des aventures de Dragon Age Origins dans le prochain épisode. Ne le ratez sous aucun prétexte. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.